Et bonjour les amis, l'agence TRD est heureuse de vous accueillir une nouvelle fois dans Skyrim pour vous présenter une nouvelle habitation, un nouveau mode. Alors après avoir fait quelques châteaux, avoir fait une citadelle, quelques habitations simples, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle forteresse fraîchement créée, la forteresse Castra Hiberna. Alors, je vous montre directement sur la carte où nous nous trouvons. Donc, nous sommes ici, c'est-à-dire en dessous du Palais Bleu, pas loin de Folgulture. Je suis pas loin du Manoir Bourg du Vent, et donc de Fort Winstatt, qui est une autre de mes vidéos. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Encore une fois, nous sommes pas loin de l'épave du Brise-Glace, et donc pas loin aussi du port de Solitude. Alors, cette forteresse Castra Hiberna se trouve ici, les amis. Alors, vous me direz, qu'est-ce que je fais là? Voilà, hein, tout simplement. Pourquoi me trouver ici alors que l'épave est beaucoup plus proche? Eh bien, en fait, l'accès à cette Castra Hiberna, cette forteresse impériale, eh bien, se trouve être là, les amis. Voilà pourquoi je me trouve ici. Donc nous allons maintenant tranquillement nous rendre. Qu'est-ce que... Ah! Ça se bagarre déjà? Qu'est-ce qui se passe encore? Pff, on ne peut jamais visiter les trucs sans se faire... Qu'est-ce qu'ils attaquent là? Bon, vous n'êtes pas vrai, des orques, franchement, non mais... Vous avez que ça à faire, franchement, des orques. L'animal qui va à deux à l'heure! Non mais, pauvre bête! Bon, allez, hop, on va le dépouiller de ce qui est très intéressant. Donc, ça y est, c'est fini, messieurs. Fini de faire joujou avec les animaux. Bonjour. Ouais, d'accord. Encore une fois. Ah, t'as 4 gîtes en plus. Bon, hashtag, tu sers à rien, quoi, encore une fois. Oh, pauvre bête. Tu ne demandais rien à personne. Bon, les amis, voilà, la forteresse Castra Hiberna. Au loin de Solitude, donc voilà, le palais bleu est donc là au-dessus, avec la ville de Solitude. Le port est là-bas plus loin. Alors pour ceux qui ont fait le jeu, c'est ici que se trouve être le bateau de l'empereur lorsque l'on fait la quête des assassins. Là-bas plus loin, vous avez le slot de Douillet et le phare de Solitude. Voilà pour la situation géographique. Et là-bas au loin, on peut voir Fort Winstatt, donc avec mon manoir Bourg du Vent. Voilà, juste là-bas au loin. Et il y a là-bas l'épave du Brise-Glace. Allez les amis, on est parti. On va aller de plus belle voir cette forteresse et ce qu'elle recèle. Let's go. Pas mal ce petit pont. Hein. Oh, le bon petit bug. I believe I can fly. Les tours qui volent. Ah, voilà, voilà, voilà. C'est quand même mieux comme ça, hein. Allez, cours, mon grand, cours. Allez, on démarre. Bouge-toi vite, plus vite, plus vite. Voilà, Castra Hiberna, comme vous pouvez voir en haut à droite. Bonjour, messieurs. C'est pour une visite. Ouais, rien à foutre. Oh non, vraiment rien à foutre. Ça va, madame? Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu veux, regarde. Les hommes de son bras, je peux attaquer à un moment à l'autre. La guerre est finie. J'ai tué le fric son bras. Il est mort. Alors qu'à me tenir. Non, mais... Les informations dans la Légion, franchement, c'est pas ça, hein.
Des problèmes peuvent toujours arriver, ne l'oubliez pas. Ouais. Tu en vas donner, moi, des problèmes, là. Franchement. T'en veux des problèmes? T'en donner, moi. Imbécile. Espèce de légionnaire à la con. Enfin, bon. Bref, voilà, petit tour vite fait des alentours. On se dépêche. Avec là-bas au loin un bateau. Donc encore un accès à la forteresse. Par contre, je me demande pourquoi tout le temps des statues de Nibella. C'est vrai qu'elles sont stylées, les statues de Nibella, mais je ne pense pas que les légionnaires de l'Empire s'intéressent vraiment à la déesse du sexe. Que soit. Peut-être des pervers. Ah, mais en fait, c'est pas une forteresse, c'est une boîte échangiste. Voilà. Alors, le petit bateau. On peut y accéder? Ah, on peut accéder au bateau, c'est magnifique. Ouvrir échelle. Bon, ben... oui, ouvrir échelle, oui. Vous avez bien lu. Si j'ouvre l'échelle, elle se casse, et moi, je me pète la gueule à l'eau. Allez, les amis, on tente l'affaire. Fermer échelle, ouvrir échelle. Fermer échelle, ouvrir échelle. Oui, d'accord. Bon, et alors, quoi? Oh oh! Bon, d'accord, allez, on a compris, on n'insiste pas. C'est dommage, ça aurait été amusant de pouvoir monter sur les bateaux. Bon, ça a l'air imposant, malgré tout, comme forteresse, les amis. Hein. Bien sûr, toujours ces légionnaires qui ne servent à rien. Ah, ici, nous avons encore un bateau, hein, avec une rampe d'accès. Est-ce qu'ici, on aura plus de chance? Ouais, magnifique. Voilà, donc nous sommes sur un bateau qui est à quai. Ah ben là-bas on a le phare de celui. Ah ben voilà le slot douillet. Là-bas au loin, les amis. D'accord, donc on aura presque fait le tour. Hop là, allez, hop. Montre que t'es un bel acrobate. Alors, ce bateau, qu'est-ce que c'est? Wow. Ok. Encore donc. Hashtag, tu sers à rien. Cabriole. Je peux vous aider. Oui, en fermant ta gueule et en me laissant travailler. Ah. Bon, c'est pas ça, c'est demander poliment malgré tout. Hein. Chercher des espions de sombrage. Mais j'ai pas de choses à foutre des espions de sombrage. Ils sont morts, les sombrages. C'est terminé. Bon, donc vous voyez, à chaque coin. Enfin, chaque côté de la forteresse, il y a une entrée. Donc, c'est tellement nord, sud, est, ouest. Allez, on refait tout le tour et on reprend la porte principale. Ah. Oui, maudit sombrage. C'est sûr qu'ils sont maudits, ils sont morts. Donc, voilà par où on arrive. Et maintenant, on rentre à l'intérieur de cette forteresse. Castra Hiberna. Un petit problème, le cheval, il me semble, non? Toi, t'es là, tu veux même pas lui donner un coup de main, toi, non? Mais bien sûr. Allez-moi ça. Allez ça maintenant. Aïe. Un petit bug, toi. Oh, oui. T'as les pattes là dans le vide, t'es au courant? Hein? On peut chevaucher cheval? Ah ben oui, on peut chevaucher cheval. Bon bref, les amis, on va pas s'attarder sur tous les bugs. Donc quand on arrive, bien voilà, nous avons visiblement une écurie. Voilà, on peut prendre n'importe lequel des chevaux. D'accord, alors, les petits baraquements ici. Trading Post. Ouais. Allez, on rentre. Bon, qu'est-ce que ça cache, Trading Post? Ouais, bon. Ah oui, voilà. Chose importante, quand je vois ceci. Il faut les 3 DLC pour installer ce mode, les amis. Le lien, bien sûr, dans la description, comme à chaque fois.
Donc voilà, il faut Dragonborn, Dawnwarth et Earthfire. Alors, donc ici c'est visiblement un marchand. Toi t'es un gars qui sert à rien. Contractor. Bon. On signe un contrat? Oui, c'est rare. C'est rare. Pour le Qu'est-ce poète. re les amis, bon ben, qu'est-ce sera, 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 bug. Voilà. Tu pas chess, rien à foutre. Hein? Ça va encore bugger? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, que les bugs s'arrêtent. Bon, Azura éclaire votre chemin. oui, Azura, tout ce que tu veux. Bon, allez, on ressort. Bon, les amis, bon, comme vous l'avez compris, bug, bug, bug. Et plantage, retour, Windows. Hein, les dadas? Bah ouais, c'est des bros dadas, ça, hein? Dada en lévitation. Vous avez fait du yoga? Oh là 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 là. Ouais, c'est bien beau tout ça. Donc, les amis, ce mode prend beaucoup de ressources, installe des nouveaux scripts, et forcément, si vous n'avez pas une grosse machine, si vous n'avez pas un bon Skyrim bien propre, etc., si vous avez trop de modes installés, vous risquez d'avoir, comme moi, quelques bugs. Alors, bon, on va continuer, on va passer outre cela. On va quand même continuer la visite ici. Legion Kitchen, donc la cuisine de la Légion. Allez, on y va. Alors, cette cuisine. Oui, bon, on est un cuistot. Sera. Mais arrêtez de m'appeler Serra, c'est Adhémar. Ou TRD, si vous préférez, c'est la même chose. Oh. Adhémar avec des modes. C'est le nom de mon perso. Bon, bref. Que des Sera. fours. Oui, c'est rare, c'est rare. Whatever will be, oui, on connaît la chanson. Ok, c'est rare, c'est rare. Allez, rien de plus, de... on sort. Bon, donc, une écurie, avec des bugs, une cuisine, un contracteur. Donc, contracteur pour contracter un contrat pour vous rentrer dans la Légion. Moi, personnellement, au stade où j'en suis dans l'histoire, ayant décapité le fric sombrage, j'ai pas besoin vraiment de m'inscrire dans la Légion. Oui, j'ai pris le pas de soutenir l'Empire cette fois-ci. J'ai fait les sombrages dans une autre partie, et maintenant j'ai fait l'Empire. Voilà, après tout, je suis un Zabrak, donc l'Empire est avec moi. Je supporte l'empereur. C'est logique. Pour ceux qui ne comprennent pas les allusions, regardez la guerre des étoiles. Voilà, si vous n'avez pas encore vu ces films, c'est une honte. Et vous devriez rattraper ça le plus vite possible. Alors, débarquement, bon, oui, rien à foutre. Encore débarquement, bon, ben ça, voilà. Vous savez ce que c'est que débarquement? Alors là, c'est des réserves. Et des réserves, visiblement. Ça va, ils sont bien fournis, hein. Il manque pas de... Wow, des catapultes! Wow. Bon, là, pour l'instant, elles sont pointées vers les baraquements, donc je ne pense pas que les baraquements soient vraiment sûrs. Ah, des chariots. Alors, ici, baraquement. Ah, Thermae, donc les thermes certainement. Allons voir ça, les amis. Wali Walou. Alors, les thermes. Pas mal fait, intéressant. Alors, voilà, des douches. Des douches pour les soldats. Ça fait un de ces boucans. Franchement, c'est pas très reposant, hein. Qu'est-ce que c'est que cette matière verte là au sol? Mais c'est dégueulasse. Mais c'est franchement dégueulasse. Pour y nettoyer quand même, non? Oh! Qui c'est qui s'est lâché dans les douches? Allez, on ressort parce que c'est dégueulasse. Ouais, la suite parce que bon. Ah franchement, ah, dégueulasse les douches. Ici, qu'avons-nous si on fait le tour?
Supplies Building. Oui. Bon, ben, allons voir. Bon, le bâtiment de la réserve, en gros, Supplies Building. C'est bien beau tout ça, mais c'est purement décoratif en fait. En plus des bugs de caméra pour passer autour. Bon, voilà, bon, ben, pas intéressant du tout. Point de vue, franchement, RP, donc roleplay, ça peut être pas mal si vous soutenez la Légion, donc comme moi dans cette partie, si vous soutenez l'Empire, avoir ce genre de bâtiment, ça peut être intéressant, mais bon, aucun intérêt, c'est purement décoratif, hein, ce genre de d'endroit. Allez, on est reparti pour la suite. Qu'y a-t-il d'autre comme bâtiment? Alors, en face, ça nous cache quoi? Qu'est-ce qu'avons-nous là? Loot storage. Ah, si c'est la même chose qu'en face, des caisses et tout ça, ou des coffres. Bon, oui, d'accord. Loot storage, donc... le stockage du loot, donc le stockage des matériels et tout ça. Alors, ici, c'est... Grain storage, bon, hein, donc réserve de grains. Allez, on va jeter un œil malgré tout. Bon, ben voilà, des tonneaux de grains, je suppose. Si on, bon, bon, écoutez, on va pas faire le tour, les amis, hein, c'est tout aussi inintéressant que les autres bâtiments. Allez, hop, on ressort, vite fait, bien fait. Bon, allez. C'est parti, la suite, espérons tomber sur les choses plus intéressantes. Ah, le petit jardin. Ah, petite façon de parler, hein. Bon. Ouais, d'accord. Bon. C'est vraiment une caserne. C'est vrai, je reconnais pour le rôle... Bon, je reconnais de un que c'est bien fait. Voilà, c'est un beau bel endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un marin. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Bon, visiblement, il est mort. T'as bu un coup de trop à la taverne ou quoi? Alors là, les amis. Bon. Ici, baraquement. Eh oui, et là, baraquement. Eh oui. Bingo! Alors, tout ça, ça doit être des baraquements. On a déjà vu, on a déjà fait le tour. Pas mal cet effet d'éclairage, là. Ça réchauffe un peu l'atmosphère, au moins. Qui c'est que tu me regardes, toi? T'as un souci? Tu veux ma photo? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars. Ouais, les gars, toi-même. Oui, je suis les gars dans l'armée... Les autres, c'est Sarah, lui, c'est les gars. Ah, appelez-moi Dovahkiin, ça sera plus simple. Bon, allez. Ah, l'office de la Légion. Bon, les amis, quand je dis office, office ça signifie en anglais bureau, évidemment. Donc, ce sont les bureaux de la Légion. Immense bibliothèque. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces deux-là? C'est quoi ce bazar? Ouais. Ouais. Et un trône. Alors, bon, jetons un petit coup d'œil. C'est quoi là? Ah, les quartiers du Léga. Ah, donc. Ce serait mes quartiers alors. Ah, ben voilà, oui. Voici les petits hôtels et tout. Ça va, tu te sens bien? Laisse qu'il n'arrête tranquille. Ah, Katoche, par contre, c'est déjà mieux. Hein? Bon. Donc, les hôtels. Voilà, ici, qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Clair. Vous avez besoin de quelque chose? Non, j'ai tout ce qu'il me faut sur moi, merci. Je suis même mieux équipé que toi. Alors, Eastern Player Company Ledgers, oui. Ah oui, ça c'est pour les amis que je vous explique rapidement. Si vous activez ceci,
Donc, East Empire Company, donc l'Empire oriental, et donc la société qui fait le commerce dans Skyrim. Mais en fait, vous allez donner une sorte de fonds, acquérir un genre de, non pas partenariat, mais un peu comme à la bourse, donc quelque part dans la compagnie, et donc cela vous rapportera quelques bénéfices de manière régulière. Quelques pièces d'or par-ci par-là. Voilà, vous allez avoir des actions. Voilà, j'arriverai à le dire. Des actions dans la compagnie de l'Empire oriental. Voilà. Par ici, qu'avons-nous? Comment êtes-vous arrivé ici? À Tout le pied. monde dit que c'est pour voyager et voir du pays. Mais c'est exactement Je n'ai ça. tué aucun homme de sombrage depuis des lustres, mais Ben plus que ce c'est ramassis. normal, c'est de tous tuer les sombrages. En douille. Mais qui sont lourds, mais qui sont lourds, ces légionnaires. Bon, donc toutes des bibliothèques, là nous avons un bureau. Ouais, s'asseoir sur le banc, oui, je m'en fous un petit peu. Ça fait vraiment caserne militaire, hein, les amis. Bon, ben, c'est son Que but. puis-je pour vous? Donc, dans ce cas, le but est atteint. Allons voir un peu les quartiers du les gars. Alors, ces quartiers, ces quartiers. Bon, d'accord, c'est très sommaire. Des coffres, des bibliothèques. Hein? Que du matériel de la Légion, évidemment. Donc, autrement dit, dans mon cas, totalement inutile. Ah, le chest du légat, donc le coffre du légat, il est vide. Donc, c'est là où on peut ranger ses propres affaires. Encore un autre. Ah, mais là, par contre, il n'est pas vide. Hop, et cette pièce d'or. Toujours ça de prix. Et encore un autre coffre. Oui, d'accord. Hashtag encore, tu sers à rien. Wardrobe, donc la garde-robe. Et finalement, le lit dans lequel on peut se reposer. Bon, les amis, voyons voir si on n'a pas oublié encore quelque chose. Donc. Ici, nous avons fait tout le tour, il me semble. Il n'y a pas de passage secret, il n'y a pas de truc souterrain. Le coffre là, c'est pour. Ok, un truc de la Qu'est-ce que vous Légion. voulez? Je peux parcourir le monde Bon, comme je veux. ben, visiblement, on a tout vu par ici. On peut donc ressortir. Ben, les amis, je crois que voilà, le tour aura été fait de cette forteresse. Castra Hiberna. Je me demande par contre si on sait entrer dans les tours. Là-bas avec une cheminée, c'est. Ah ouais, cheminée débarquement. Ah non, nous avons ici le forgeron. Allons voir un peu la forge. Alors, cette forge. Tu sais que tu marches dans le plancher là, ton pied passe à travers. Bon. Vous aider. Ah, ça c'est mieux. Bon, on peut même rien lui demander. Et à lui. Non, on peut rien lui demander non plus. Mais bon, voici donc une forge pour vous forger quelques matériaux. Mais sans plus, très basique. Voilà, alors, plus loin, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ici? C'est quoi? Workshop, le magasin. Ah ben, on va voir. Alors, le magasin. Oh là 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 là. Et ça tape tous en cœur. Worker. Bon, on peut rien te demander non plus. D'accord. Sinon, nous empêche même de passer. Bon, bref. Oui, bon. Encore une fois, les amis, point de vue RP, roleplay, ça peut être intéressant, mais sans plus. Donc, une fois sorti de ce magasin, moi je voudrais voir si on peut accéder au tour. Pas d'accès. Pas d'accès. Peut-être en extérieur ou ici.
Ah, c'est là d'où on vient, c'est quoi ici? Oui, c'est le workshop, c'est là d'où on vient. Bon, ben oui, ah, oui, ici on l'a déjà vu, c'est le contracteur. De l'autre côté, ce sont les baraquements, mais alors, c'est tout, je ne sais pas comment on y accède. Voilà, j'ai fait tout le tour, toutes les passes. Et il n'y a pas de porte. Donc, encore une fois, c'est décoratif. Vous n'avez même pas accès au tour de garde. Alors, baraquement ici, hein. Oui, ce sont les baraquements. Voilà. Bon, ben. Les amis, nous avons fait le tour de cette forteresse Castra Hiberna. J'espère que cela vous aura plu. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien fait. Il n'y a pas à dire. Il y a quelques bugs, évidemment. C'est un mode assez lourd qui requiert les 3 DLC, encore une fois. D'un point de vue roleplay, ça peut être intéressant, mais sans plus. Donc, si vous êtes comme moi, faites partie de l'Empire. C'est un poste, une forteresse dans laquelle vous pouvez trouver refuge. Et si vous faites partie des sombrages, ça fait un beau petit endroit à saccager. Prends le plaisir de tout massacrer. Les foutus légionnaires qui ne servent à rien. Qui sont plus bêtes les uns que les autres, mais enfin bon. Que voulez-vous? C'est de la chair à canon. Donc, voilà, les amis, c'est ici que nous allons nous laisser. L'agence immobilière TRD dans Skyrim va refermer ses portes en attendant de les rouvrir pour un prochain mode. Alors, d'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, soyez prudents. Je vous fais plein de gros bisous, peace, et à la prochaine, les amis. C'était TRD depuis la Castra Hiberna. Ciao, ciao!